Nous commençons cette édition en Russie, où un avion militaire transportant 91 personnes s'est écrasé en mer Noire. L'avion 254 à destination de la ville portuaire de Latakia en Syrie avait disparu des radars peu après son décollage depuis la ville de Sotchi dimanche matin. Le ministère de la Défense russe a indiqué que des débris ont été retrouvés à 1,5 km du littoral de Sotchi à une profondeur de 50 à 70 mètres. 83 passagers et 8 membres d'équipage étaient à bord. Parmi eux, des militaires, des journalistes et les chœurs de l'armée rouge, ce célèbre ensemble militaire russe composé de chanteurs, musiciens et danseurs. Les premières analyses mettent en cause un problème technique ou une erreur de pilotage.